Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Comment allez-vous les gars aujourd'hui, vendredi? Salut Jean-Pascal, salut JC, salut David, Olivier, Yannick, Ange, Jean-Christophe, Alan, Fred et Pierre. Comment allez-vous les gars? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5 normalement? Oui, me dit mon logiciel, mais quelquefois le logiciel déconne. Alors, voilà. Allô Géo, Pops Maquette, Ludovic également. 5 sur 5, oui, fort et clair, tout est ok, son image ok. Eh ben c'est impeccable les gars. Alors aujourd'hui on va finaliser, alors ça sera peut-être pas la dernière vidéo, peut-être la dernière vidéo, mais après il y aura des photos, en tout cas. Mais le tome 4 est terminé quoi. Maintenant il faut rassembler toutes les petites pièces. Tout est peint comme il faut, il y a 2-3 petites retouches à faire, évidemment. Il y a encore un petit peu de peinture sur les petits détails, quoi. Mais enfin, vous allez voir, on va faire ça ensemble. Salut Arnaud! Yannick et Wan, bientôt le week-end? Bah ouais, dans quelques heures, il y en a qui vont finir le boulot. Et puis le week-end, quoi. Bon. Salut Eric, ça va bien les gars? Il y en a parmi vous qui sont encore au boulot, j'imagine bien. Mais comme disait Yannick, ça sent le week-end. Alors je regarde vite fait s'il y a des petites choses sur... Hop, on verra plus tard. Bon. Salut Daniel. Top, Mougout. Bon, alors, le tome 4. On va passer en mode... Voilà la bébête. Donc j'ai assemblé tout le truc, hein. Vous voyez, mettre. Voilà. Vous voyez la taille, hein, ça prend de la place hein, quand c'est avec les ailes déployées là. Voilà, donc j'ai passé un vernis satiné, j'ai assemblé les ailes. Là, les petites dérives, hein, etc. Les moteurs sont en place. Ok. Voilà, j'ai enlevé la verrière, vous savez, je l'avais collé avec la colle blanche. Là, on va l'assembler ensemble. Voilà, et puis en dessous, j'ai collé les deux porte-missiles. Donc il reste les trains à coller. On va pouvoir mettre les missiles, ouais, pas de problème. J'ai collé aussi la petite perche là. Elle est en place. Et après, il y aura tous les pitots. Et puis roule ma poule. Hein. Alors sur là, alors vous voyez là, j'ai les petits pilotes qui sont terminés. Il n'y a plus qu'à les mettre dedans et tout ça. Je vais vous montrer ça après en petit détail. Là, les petits éléments pour le cockpit. Salut Jean-Philippe. Non Jean-Philippe, je t'ai envoyé un lien dans le Discord, il faut suivre. Hein. Je t'avais répondu sur le Discord. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a 4 jours sur le concours. Il faut mettre votre nom sur les photos. Il n'y avait pas ton nom sur les photos. Renvoie-les-moi avec ton nom dessus, s'il te plaît, Jean-Philippe. Merci. Voilà, nous dit Daniel, c'est le week-end de la Saint-Martin chez nous. Ah, et qu'est-ce qu'il y a de spécial là, Saint-Martin? Alors, je vais vous montrer aussi le diorama. Enfin, le diorama, oui, c'est un diorama. Là, c'est net, quoi. Parce que ça raconte pas vraiment une histoire, à part le décollage. Hop. Alors, c'est pas tout à fait fini. Hein. Alors, déjà, je voudrais vous montrer, parce que là, avec le reflet, ça se voit pas beaucoup. Mais j'ai fait de la patine quand même. Il y a plein de petits avec des pigments, tout ça. Là, il faut que je passe et faut que je termine l'assemblage de ça. Parce que c'est pas encore tout à fait assemblé. Et il faut que je passe une couche de vernis mat dessus. Voilà. Et après le tour bien noir. Là, je vais coller. Alors je vais mettre tout de suite pour vous montrer où je vais le mettre.
Voilà, une fois que la couche vernis mat sera passée, je vais mettre ça comme ça là, collé ici. Tac, voilà. Tu vois? Et puis là, pareil. Alors je le mets comme ça parce que vous allez voir qu'il déborde un tout petit peu. Là, pareil, il sera comme ça. Avec sa tête à peu près ici. Donc, tu vois, il dépasse là le... Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai montré au client. Et le client, il me dit, oh, mais aucun problème, ça me dérange pas. De toute façon, il est dans une grande vitrine, donc il y aura largement la place. Je lui ai donné la longueur de ça, sa vitrine, elle fait largement la place. Il trouve même que ça fait sympa, ce petit côté qui sort un peu du truc. Bon. Donc ça veut pas dire qu'il va prendre ça, hein. C'est pour ça que ça, je vais le coller avec des post-it, avec des, tu vois, pas de la colle définitive, parce qu'il hésite entre ça, là, et puis le carton, là, vous savez, où est-ce qu'il est, on l'avait vu ensemble, je sais plus où il est. Quelque part. Enfin, vous savez, le carton qu'il y avait dans la boîte Tamiya, là. Où est-ce qu'il est, d'ailleurs, chez quelqu'un? Ça serait bien que je le retrouve, quand même, parce qu'à chaque fois, je dis, il est là dans le coin, mais... Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Il est là. Non, il est là. Non, il n'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais plus. Je le retrouverai et je l'ai mis dans le coin parce que je me suis dit, bah, pas, pour pas qu'il se tord, peut-être que je l'ai mis dans sa boîte. Je vais le trouver. Ah, si, je me disais, là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Sauf, alors peut-être qu'il va vouloir ça. Voilà. Ça, c'est le truc prévu par Tamiya. Ok. Plutôt comme ça. Voilà. Et là, si on le met sur le truc de Tamiya, c'est exactement la même chose. Salut, Steve! Question, as-tu des traces dues au réacteur du F-14 sur la plateforme? Tu veux dire sur ça? Bah oui, là j'ai fait plein de... Il y a du watering, là. Mais ça se voit pas bien avec les pigments. Moi je le vois bien à l'œil nu, mais... Oups. Je pense que sur les photos, ça va mieux se voir, quand même. Alors, sinon sur le truc Tamiya, ça donne ça, quoi. Voilà, ça c'est ce qui est prévu. Alors attends, c'est comme ça. Yes. Voilà. Comme ça ou le... Comme ça, je sais plus. Pour que le sabot il soit à peu près genre comme ça. Voilà, ça c'est ce qui est prévu par Tamiya. Dans la boîte. Voilà. Mais dans les deux, tu vois, on peut pas mettre... Avec le F-14 en tout cas, hein, avec d'autres appareils, oui, mais... On peut pas mettre le shooter et tout ça, là. Tu vois, dans la boîte, il y a prévu un shooter, là, Tamiya. Tu sais, le petit bonhomme qui montre avec ça, voilà, qui, comme ça, là. Mais dans la réalité, tu vois, Tamiya dit de le poser ici. Mais dans la réalité, non, dans la réalité, il serait posé après l'aile, là, tu vois. Il a au moins un mètre de l'aile, là. Donc, voilà, les figurines, c'est pas bon, quoi. Salut Julien! Je te regarde avec un abonné qui a l'outrecuidance de ne pas être souscripteur. Oh! Eh! 2,90€, hein, les gars. Si j'avais fait l'abonnement à 15€, je veux bien, hein, ou 20€, mais 2,90€, c'est un café. Toutes les vidéos que j'ai faites, vous pouvez me payer un café. Hein. Top, la vidéo du débarquement. Ah ouais, merci. Ben, je l'ai regardé ce matin quand elle était sur une autre chaîne. Hein. C'est un truc qui était recopié d'une VHS, je sais pas quoi. Mais le son était horrible. Et nul, quoi. Tu vois. Donc du coup, j'ai... Voilà. Bon, bref, on va travailler là-dessus. Alors. Donc. Ah, mon atelier est bien rangé. Hein. C'est juste que je me rappelle plus où je mets les trucs. Mais sinon, c'est bien rangé.
Bon, alors on va refaire le cockpit. Donc on va cadrer ça pour que vous puissiez bien voir. Alors je vais ajuster mon petit truc là. Voilà. Comme ça on va monter ça ensemble tout doucement. Alors parce que ouais, voilà, j'avais pu enlever ça, etc. Enlever ça. Alors là, ce qui va me manquer sur les casques, c'est j'ai passé un coup de vernis mat, mais le casque il est toujours brillant. Donc on va poser les deux pilotes dans leur siège et on va mettre une petite goutte de X22 ou autre hein, brillant sur le casque. Il se marre. Dis bonjour à Alain, ça lui fait plaisir. Ah, salut Alain. Salut Alain, t'es pas souscripteur mais bon, je te fais un bisou quand même, hein. Thomas m'a trouvé une super vidéo sur le V1, pleine d'infos, bah, génial. En plus c'est un blindeux. Wow. No comment. Bon alors, alors on va coller, là ça va être tout à la cyano. Hein, et on va coller des petites pointes, tu vois, voilà, on va ajuster tout ça, vous allez voir, c'est assez sympa. On va préparer la cyanoclirate. Voilà. Donc on va déjà préparer ça là. Voilà, bah dis-lui Alain que les blindeux c'est bien pour s'entraîner, mais qu'à un moment il faut passer à la matière noble, comme on dit. Bah, tu vas voir, je dis ça, Floppy va arriver dans 5 minutes. Ouais. Alors, de la cyano. Voilà, donc que des micro-gouttes, hein, avec mon petit applicateur maison, là. Le casque loupe. Parfait. Voilà. Et puis, voilà, on va d'abord coller cette pièce-là. Il a les oreilles qui sifflent. Ouais, il va être au boulot. Je sais que le vendredi, pour lui, c'est full up parce qu'il faut qu'il termine la semaine. Donc là, ça m'étonnerait qu'il passe aujourd'hui. Je te laisse, on a du taf, on va se faire disputer. Ouais, je te ferai un mot le prochain coup pour ton patron. Hein, un petit billet. C'est comme à l'école, tu viendras, tu diras, tenez, j'ai un billet pour vous, patron. Ouais, je peux lui faire un peu de pub pour sa boîte, tu vois. Voilà. Comme ça, vous pouvez regarder. Je suis sur le cul en voyant le résultat. Oui, tu vas voir, ça va être pas fini encore. Alors, on va d'abord coller cette petite pièce, ok. Voilà, donc on regarde bien les points d'appui. Là, c'est à peu près là, je vais mettre mon casque loup. Là, il faut, donc quand c'est la fin, comme ça, il faut être dans la délicatesse absolue. Prendre son temps. J'hésitais même à faire ça en vidéo, vous voyez. Je me suis dit, je vais le faire tranquille. Après, je me suis dit, bon, on va leur montrer quand même comment on finit tout ça, et puis voilà, vous me manquiez, bref. Alors, ok, je regarde là. Ok, alors, on regarde bien où il faut mettre les trucs, la colle. Et là, tu vois, avec des micro-gouttes, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Tu vois, ça c'est... Ce pilote là, il va là, on va essayer. Yes. Donc là, pareil, on va regarder les points, tu vois, il est nickel. Là aussi, les points de colle sur le siège. C'est pareil, c'est pas dur, hein. Il y a deux petits trucs là. Voilà, trois points de colle. Hein. Pas plus, hein. Thank you.
Voilà. J'ai terminé, il y a toujours un clic-clic, hein. Il y a des petits plots, il faut que ça rentre dedans. Voilà, numéro 1. Et le numéro 2, il tient le manche. C'est ça qu'on voit la différence, tu vois, le deuxième pilote, il tient le manche alors que l'autre, il ne le tient pas. Voilà. Et là, même chose, même punition. Hein. On vérifie que les trous soient bien libres, yes. Quand on a fait du sel, des fois, il y a des petits bouts de grains de sel qui se mettent un peu partout. Normalement, j'ai bien vérifié, c'est bon, mais bon. Le deuxième. Voilà, là, on le clique tout de suite. Ouais, il a sa main directe sur le stick. Donc, merci Tamina. Voilà. Là, on va laisser 2 secondes et on va préparer un petit vernis avec un petit pinceau. Et on va bien mettre vernis leur casque. Tu vois, et après, on aura la petite casquette avant, etc., etc. Et puis, le cockpit à la fin, la verrière, évidemment. Hein. Salut Alain, tu vas bien? Ah, mon copain Schnaps, comment il va? Voilà, donc là, on va mettre le vernis. Alors, vernis, on peut prendre n'importe quel vernis. Je vous propose... Ouais, je prends le premier qui va venir dans mon truc. Hein. On peut prendre du X22 aussi. Hein. Voilà. Tu vois, tant qu'à faire, on avait le X22 de sortie. Le X22, le petit pinceau, yes. Salut Owen, tu vas bien? Bien, enfin week-end, ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa, être en week-end. J'ai hâte de retrouver cette sensation-là. Moi, je suis en week-end depuis 2 ans, je t'avoue que... Ça commence à me gonfler. Quand je dis ça à mes potes qui bossent là, en cuisine là, ils me disent, mais voilà la connerie que j'ai fait. J'ai utilisé un pinceau qui était, je crois que c'est un des pinceaux où j'avais remué un peu un pigment, sans bien le nettoyer. Mais du fait que j'ai mis le vernis X22, ben ça c'est vachement, toi le pigment est parti. Et du coup, mon pinceau... dégueulasse, tu vois. Donc je vais prendre le machin terminal. Hein. Sur quoi peut toujours bien laver ses pinceaux. Bon, ça va, le casque, j'avais pas touché encore. Hein. Ça va 2 secondes. Hein. Ça va bien se passer. Mais, tu vois, il faut faire attention à tout en fait, en maquette. Voilà. Allez, on commence. Tu reprends quand déjà? Ben, le 20, normalement le lundi 20 ou c'est le 21, je sais plus, enfin tu vois dans ces eaux-là. C'est possible que ça soit le 25 ou le 26 parce que le temps que la procédure se met en place. Tu sais, l'administration, je les ai prévenus. Fin octobre que je reprenais le boulot, mais il faut qu'ils. En fait, comme je suis fonctionnaire, ça marche par des arrêtés, tu sais. Faut que ça passe en commission, patati patata, je peux pas reprendre sinon. Alors. Et du coup, tant qu'ils mettent ça en place et tout, et ben ça prend du temps. Elle m'a dit, bon, normalement ça devrait aller 3 semaines, mais ça sera possible, ça sera un peu plus. Voilà, écoutez, moi du moment que je suis payé. Voilà, tu vois, parce que les casques, ils sont toujours bien, bien brillants, là. Donc, allons-y, quoi. Good. Ok. Allez, on garde ça de côté au cas où. Normalement, j'en ai plus besoin. Hein. Oui, ça va avec toi, me dit Alain. Ouais, je vais très bien. Ça va. Pour la première fois, j'étais au barbier ce matin. J'avais jamais été un barbier de ma vie. Et ce matin, je vais au coiffeur, et le gars, il est barbier aussi, il me dit, vous voulez que je vous taille un peu la barbe et tout, je vous vois. J'avais jamais fait ça de ma vie, je dis, ouais, vas-y. Du coup, j'ai... Enfin, ça se voit pas beaucoup en vidéo, parce que je suis blond, alors j'ai des poils blancs. Ça se voit mieux en vrai, mais je l'ai taillé nickel, bien droit et tout, là, c'est impeccable. On dirait un acteur de cinéma. Voilà, bon, ça c'est fait.
Yes, regarde, hein, il... Impeccable. Bon, maintenant il y a ça. Alors ça vient se mettre ici, comme ça, là, tu vois. Voilà. Mais dans le... Alors attends, je regarde le yes. Comme ça. Mais là-dedans, il y a un petit truc. Il faut mettre un peu de métal, un peu de couleur métal brillant. On va voir si on peut mettre l'aluminium là. Et puis ensuite au-dessus, il faut poser ça là. Tu vois? Cling. Voilà. Donc on va mettre. Je me demande si avec le molotov, là, moloto, moloto, moloko, ça peut peut-être passer. Lulu demande si elle était bonne ta première fois. Excellente, Lulu. Excellent. Ah, mais c'est très... Parce que tu mets ta vie là dans les mains du mec. Hein. Le mec, tu as le cou tendu comme ça, il te passe le rasoir là, il suffit qu'il te... Tu vois, je t'ai pas rassuré. Hein. Après, quand tu vas avec le rasoir qui coupe super, là, juste en dessous du nez, tu sais l'endroit où ça chatouille là. Mais il faut pas bouger parce que sinon, tu vois, si tu bouges un coup sec, le gars, il peut te couper. Alors, il faut te retenir de bouger et tout. Oh là là là. Mais ça vaut le coup, au final, voilà. Cheveux plus barbe, 20 balles. Le gars, il faisait une espèce de... Si tu viens tous les mois, c'est 20 balles. Normalement, c'est 25 balles. Mais si tu peux payer... Enfin, tu vois, alors j'ai dit, ok, je prends l'abonnement, là. Tous les mois, 20 balles, hop, on me paye. Didier, tu auras un poste aménagé pour préserver ton dos? Ben, normalement, oui. C'est ça le but de la commission, là. Ils vont se réunir pour avoir un poste aménagé. Alors, soit je serai toujours en cuisine, mais j'aurai un gars avec moi qui va porter les trucs lourds et tout. Soit je, ben, pas en cuisine, et puis ils me mettront dans un bureau ou autre, je sais pas. Alors comme je leur ai dit, je m'en fous. Hein. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est travailler. Alors, je veux pas sortir les poubelles non plus, faut pas exagérer, mais... Tant que je travaille, que je pars le matin, je reviens le soir et tout ça, voilà, c'est moi, ça me va. Vous passez les commandes, faire les menus, faire les contrôles, enfin, ce qu'ils veulent, moi, je m'en fous. Hein. Je vais demander à être au contrôle. Contrôle, c'est bien. J'avais fait ça chez Eurest pendant 5-6 ans, là. C'est quand même bien comme poste. Alors là, j'ai sorti le molotov, là. On va voir si on peut mettre avec ça. Ouais, regarde, c'est impeccable. Ça fait le petit rond nickel. Tu vois? Alors comment on dit, Molotov ou Moloto? Je crois que c'est une marque allemande, hein, donc ça doit être Moloto, non? Tout le monde prononce Molotov, mais je vois pas de F, moi c'est un W. Donc c'est Moloto, non? Juste un peu trop frais, Jean-Christophe. En Espagne, ouais, au lieu de faire 35, il fait 28, quoi. C'est frais, hein, c'est ça? Bon, Lulu, va mieux, tu m'as dit Schnaps, hein, je suis content pour elle. Hein. C'est bien. Bon, voilà, ça on va laisser sécher un peu. Alors tu vois un peu la gueule que ça a? Tu vois, ça fait un peu... Avec un truc vitré, légèrement vert comme ça, tu vois, ça le fait. J'ai déjà fait plein de fois sur des jets, ça le fait super. Alors, on va hop, séparer la pièce, là, Tamiya. La petite pastille. Donc j'ai passé un vert transparent Tamiya classique, hein. Voilà. Puis la pince est tellement précise que j'ai pratiquement pas besoin, un tout petit peu, de passer une petite... Tu vois. Yes, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà. Hop, je le mets à côté. Ouais, c'est pratiquement invisible, hein, sur le... Faire attention. Oui, elle va mieux, merci, mais elle préférait ne pas retourner bosser. Elle a pris goût à rester à la maison. Ouais, c'est sympa, hein?
Ah, dis-lui, rassure-lui, dis-lui que voilà, il y a un moment, on en a marre, quoi, quand même. Hein. Salut Jean-Luc, tu vas bien? Elle reprend mercredi prochain, c'est ça? Bon, la pince, la colle. Alors, on va pas mettre de colle Tamiya, là, parce que, comme c'est fermé, tu vois, il va y avoir de la vapeur, et puis ça va... elle va se vitrer, enfin, ça va pas être joli, quoi, tu vois. Donc, on va mettre une petite pointe, même pas de Shiano non plus, hein. Quel genre de colle on pourrait mettre? Ah, bah, la colle... Ah, oui, bah, oui, bien sûr. Bien sûr. Là, elle est top, celle-là. Elle est partie transparente, c'est top. La petite colle, tu sais, à moule. Là, il n'y a pas de risque avec ça. Voilà, voilà, un petit peu pâteuse, elle est blanche, mais quand elle sera sèche, elle sera transparente. Donc, une petite goutte, micro-goutte, hein. Là, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Voilà, j'en mets aux deux extrémités là. Pas besoin que je fasse tout le tour. On va prendre. Pastille. Voilà. Tu vois, et après on prend un petit coton-tige pour l'humidifier légèrement à la bouche, hein, et on essuie, tu vois, s'il y a un peu de colle qui s'est... Voilà. Alors là, tu vois, ça fait déjà pas mal, mais on voit la colle blanche qui sèche en dessous. Quand elle va être sèche, elle va être transparente. Et avec l'effet métal, tu vois, ça va faire sympatoche. Là, maintenant, on met un peu de colle là-dedans. Cyano, hein, cette fois-ci. Hop, une pointe ici. Il faut juste que ça bouge pas, c'est tout. Hein. Une pointe là, c'est suffisant. Top, top, top. Voilà. Et ensuite, on vient délicatement... Voilà. Okay. Ça c'est nickel. Donc là maintenant ici c'est ça, cette pièce là. Okay. Tu mets là ici comme ça, qui est parfait, tu vois. Voilà. On va enlever la bande cache. Et puis on va surtout bien faire gaffe que ça soit bien propre. On va la nettoyer avec du produit à vitre si jamais c'est sale et tout. Cette colle est top pour la PE, mais je trouve qu'elle sèche vite. Il faut assez vite refermer le pot, mais c'est peut-être juste une impression. Moi, ça fait un an et demi que je l'ai, là. Ouais, même 2 ans, peut-être. Hein. Bon, c'est une pâte, hein, mais elle est encore liquide. Peut-être que tu l'as laissé un peu avec le bouchon, tu vois. Moi, je le rebouche toujours immédiatement, hein. Alors, on va voir si le masquage a bien été fait, parce que des fois, on peut toujours avoir des surprises. Attention quand on... Hein, faut être extrêmement délicat pour ne pas rayer, évidemment. Donc, tu vois, voilà, je vais vous montrer après, ça c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir montrer. L'intérêt de faire ça, là, de coller à la colle blanche. Quoique, encore une fois, je ne sais pas si on va bien voir ça en vidéo. Légèrement en vert là, tu vois le... ça aussi c'est nickel. Bah tu vois, il y a quand même non seulement des petites traces de colle, alors je sais pas si on va bien le voir en vidéo. Tu vois, on
voit des petites traces de blanc, tu sais, comme s'il y avait un peu de farine ou de... Voilà. Et ben ça, si la pièce est collée, des fois c'est difficile d'aller en dessous avec un coton-tige, tu vois. Alors que là, comme on a fait comme ça, ben ça va être nickel. Là, je vais prendre un peu de produit pour mes... C'est du produit à vitre mélangé avec de l'eau, et en fait, j'utilise ça pour mes lunettes, en fait. Tu vois, voilà. Donc un peu de... Donc, toujours des cotons-tiges. Tu vois. Là, je vais en mettre un peu sur le côté, sur le tapis, là. Clac. Je prends mon coton-tige dedans. Voilà, tu vois, c'est du produit à vitre, hein, ni plus ni moins. Hein. Et puis là, on va nettoyer tout ça. Et là, tu vois, voilà, tout part nickel, quoi. On va avoir un dessous de... On va avoir une verrière absolument parfaite. Quoi. Et il faut mieux, parce que là, c'est verrière fermée. Hein. Donc, il faut vraiment que ça soit nickel avant qu'on fasse les collages, hein, évidemment. Hein. Bon, là, il faut que j'enlève un petit peu. J'avais pas vu, là, il y a un petit peu de traces de... Tu sais, la colle blanche que j'avais mis. Mais tu vois, ça s'enlève très très facilement, regarde. Hop. Ouais, c'est parce que je suis perfectionniste, mais là on ne verra pas, mais bon, mettons que... Voilà, donc toi tu vois, j'ai enlevé toute la colle blanche. Et puis là, bah, il suffit de frotter, et plus on frotte, plus c'est bien... Voilà. Voilà, là c'est nickel, tu vois, elle est propre comme tout. Magnifique. Et là, elle va s'assembler, côté peinture et tout, elle va s'assembler parfaitement, elle est absolument nickel. Il n'y a aucun problème, ça ne se verra pas du tout. Si j'en mets un peu en dehors du pot, oui, moi je ne fais pas comme ça, je prends dans le pot avec un cure-dent à chaque fois, et puis je referme. Salut Sylvain! Voilà, donc là, vous voyez les gars, on l'a mis en place, on va la coller maintenant. Et là, on peut la coller à la PE, à la cyano. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'espace pour que la cyano, enfin les vapeurs de cyano se barrent. Par contre, la verrière finale, on ne pourra pas la coller à la cyano. Parce que dedans, ça sera fermé, ça sera un vase clos. La cyano va former des vapeurs, et la vapeur va teinter, tu vois, brûler notre beau brillant là, dans les surfaces transparentes. Donc voilà. Donc là, on va mettre quelques petits points de colle. Là aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. Ça suffit. Trois points de chaque côté. Et là, délicatement. On appuie un petit peu. J'ai entendu le clic, là. Voilà, c'est bon. Et là, c'est parfait. Il n'y a pas une trace, elle est bien transparente et tout. Je regarde de côté, oui, c'est nickel. C'est absolument parfait. Voilà. Alors, maintenant, la verrière principale. Alors, ça, pareil, je vais le rebouger un peu, qu'on puisse voir un peu le travail. Voilà. Donc, la même chose. On va d'abord enlever le petite trace de colle. Vérifier qu'il n'y a pas de surépaisseur après, voilà. Tu vois, là, c'est nickel. Voilà, on va enlever, on va démasquer. Donc là aussi, il va falloir faire attention. Parce qu'il y avait plein de... Vous vous souvenez, au début, là, Tamilien nous disait de mettre du mascol. Moi, je lui ai dit, non, je préfère mettre... de la bande cache comme ça, c'est plus long, quoi, mais c'est plus sécurisant. J'aime pas trop le mascol.
Pour des petites surfaces, il n'y a pas de problème. Mais pour des grandes surfaces comme ça, je préfère largement recouvrir de bandes cache. Toujours attention hein, avec la pince. Hein. C'est tellement vite fait de rayer une verrière. Et là, si vous rayez, ben, faut tout refaire. Hein. Il faut la repenser, retravailler, repeindre, etc. Là, c'est dommage à la fin parce qu'il va falloir retrouver des décales et tout. C'est un peu compliqué. Quoi. Intérieur et extérieur. Et là, pareil, on va pouvoir la faire bien limpide, là, ça va être nickel. Hein. Bien la nettoyer, tu vois. Salut Dick. Pour l'instant, c'est nickel. Voilà, il n'y a pas de débordement, rien du tout. On va pouvoir bien la nettoyer là, avec le produit. Top, top, top. Voilà.
Voilà. Bon, ça s'est bien passé, nickel. Il y a toujours le riz, j'ai l'habitude maintenant, mais bon, ça peut toujours arriver qu'on colle mal un bout de banc cash ou je sais pas quoi, puis que ça déborde un peu et tout, là, non, vous voyez, c'est nickel. Ou en enlevant, qu'on mette un petit peu qu'on griffe le truc, tu vois, là. Bon. Ouais, c'est un vernis satiné. MRP. Donc là, pareil, hein, produit à vitre, et puis hop, on nettoie. Hein. On frotte pour que ça soit bien brillant. Bien nickel, qu'il n'y ait aucune trace. Là, on va finir avec un bout de sopalin. Aussi. Where is my sopalin? Bien transparent, là, tu vois, clac clac clac, voilà le petit reflet nickel tellement ça brille. Hein. Bon, alors c'est pas fini parce que normalement dessus, il faut coller en dessous ça. Il faut que je regarde comment c'est. Je crois que c'est comme ça. Je vais vérifier sur la notice, j'ai un doute. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là, celui où je viens de le mettre là. Mais regardons sur la notice. Zéro risque. Alors. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, c'est exactement comme ça. Donc là, pareil, on peut mettre un petit peu de coltamina parce que on va le laisser sécher avant de le mettre. Salut Algo Flash, salut François Michel. Donc là, je sors ma coltam-tam. Tac, une petite pointe. Alors, oui, c'est bon, on peut pas mettre de colle quand il y a de la peinture. Ben, bien sûr que si. Faut laisser la colle un peu agir, elle va bouffer la peinture. Et après ça colle ben, comme de la colle. Hein. Il n'y a pas. Voilà, tu vois, zo. Voilà, regarde, ça colle. Hein. J'ai collé deux surfaces peintes. Non, il n'y a pas de rétroviseur intérieur sur ce modèle. Sur ce kit. Et comme j'ai pas acheté de PE, le client voulait pas d'add-on et tout ça. Bah du coup, bah non, il n'y a pas les verrières. Il n'y a pas les rétros, pardon. Normalement, il y en a trois, hein, tu connais, hein, alors sur les côtés, mais. On va attendre un tout petit peu que la petite colle la sèche avant de refermer le bazar. Parce qu'après on le referme définitif, alors il faut prêter attention. Est-ce qu'on a des petites choses sur Discord ou pas? Allez voir pendant que ça sèche. Salut Patrick! Alors, let's go to Discord. Alors, il y a deux photos. Bon, ça va aller vite, les gars. Le dernier achat de David. Le Half-Track Tamiya.
Celui-là, je l'avais vu sur Oops Model, et puis quand je suis revenu 3-4 jours après pour le prendre, il n'y avait plus. Alors ça veut dire que c'est toi qui l'as pris, hein, David. Et là, Pierre, préparation du village de Noël en impression 3D. Je sais que c'est pas une maquette. Oui, tu peux mettre ça dans le. Tu sais, au coin du feu, là. Au coin du feu, tu peux mettre tout ce qui n'est pas maquette. Très bien, Pierre. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à voir, les gars. Pouc. Bon, on va attendre un tout petit peu. Que la colle sèche bien pour pas qu'on ait zéro risque de vapeur et tout ça, quoi. Tu vois, les casques, ils sont bien brillants, là. Avec le X22, nickel. Hein. Eh ben, j'utiliserai ça, hein. Très bien ça. Que ça colle plutôt bien, tu peux l'ajuster, tu vois, c'est pas une prise immédiate, et puis tu peux avec un petit, tu sais, si tu as des petits, enlever la colle qui reste, tu prends des petits coton-tige comme ça, là, tu vois, légèrement humidifié sur la lèvre, là, tu vois, et toute la petite colle autour, t'enlèves, il n'y a plus une trace de colle et tout, c'est impeccable ça pour les petites pièces comme ça. Alain, bonjour Didier, je viens de changer de PC, pourrais-tu m'envoyer un lien pour Discord? Ok Alain. Faisons ça pendant que ça sèche, là justement, tranquille. Voilà, là, quand tu seras dessus, tu me diras, j'irai te chercher. Enfin, faut que je te valide après le souscripteur et tout ça. Et ça, c'est notre ami Christophe, bah ouais. Presque fini celui-là. Ah bah ouais. Top, top, top. Très bien. Bon. Tu vois que ça colle bien. De répit, on a le temps, on n'est pas pressé. Alors voilà, je vais vérifier que tu es bien connecté tout de suite, hein. Tu fais pas ça demain, hein. Faut que tu me fasses maintenant parce que je te valide, pour que je te valide. Hein. Ok, j'y suis. C'est quoi ton pseudo, Alain? Ton pseudo Discord, s'il te plaît. Alain, tu me dis ce que tu es comme ton pseudo sur Discord, s'il te plaît. Nova, ok. C'est parti, je te vois. Voilà, là. Bon, je t'avais mis un petit bateau à côté de ton pseudo. On refera ça. On ferait ça une prochaine fois. Bon. Je reprends ce week-end mon Focus 198 et le cockpit de mon BF 110C. Alors, on va vérifier d'abord à blanc. Ben ouais, là, ça, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est bien. Toi, j'ai pensé quand je l'ai pris dans la main, j'ai dit aïe, aïe, aïe. Il va falloir qu'on raccourcisse ça. Ah non, même pas. T'as bravo, t'as mis un.
À chaque fois, je suis émerveillé. Voilà. Salut Hervé! Alors, ce qui m'embête sur mon chat, là, tu sais, c'est que en bas, à droite, il y a un petit cœur. Je peux cliquer dessus pour envoyer des cœurs dans le chat. Bref. Mais ça me cache toujours la moitié de la dernière phrase. Tu vois, c'est chiant, hein. Je sais pas comment l'enlever, ce truc-là. Didier, je dois faire des petits trous sur les ailes de mon P51. Mais je ne sais pas avec quoi les faire, ni la taille des trous à percer. C'est pas écrit sur ta notice, Owen? Salut Thomas, comment tu vas? Salut Alain. Petit coucou de la Suisse. Bon, alors on va l'enlever ça. On va mettre la colle. Donc, pas de la PE. Hein. La colle blanche à mots. Oui, je sais pas ce que c'est ça. Je me demande si on peut l'enlever ou pas ça. Je sais pas s'il y a une option enlever-le quoi. Voilà, je fais attention quand même. À la limite, si ça déborde, après ça se nettoie facilement à la flotte. Hein, mais bon, je fais quand même un peu attention quoi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà, tu vois, j'ai hop, 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 le petit point à droite à gauche. Tu l'as pas vu, en tout cas, tu l'as pas vu sur la notice. C'est des petits trous de quoi exactement, qui représentent quoi dans l'aile du P51, parce que là je vois pas, hein, très honnêtement. Voilà, et puis après les copains, hop. Maintenant que c'est posé, on l'enclenche tout doucement comme ça, hop. Là on y va mollo parce que c'est collage définitif. Hein. On appuie un tout petit peu. Là, il faudrait un petit poids. Comment je fais? Je mets. Ah, il faudrait un sac avec quelque chose. Bon, là, je peux rester comme ça 5 minutes. Hein. C'est pas non plus la fin du monde. Quoi. Hein. Ils nous aiment très fort. Oui, mais ils auraient dû le mettre ailleurs, en haut ou tout au milieu. Enfin, je sais pas, mais. Là, ça gâche toujours la vision de la dernière phrase, tu vois. Je suis obligé d'attendre qu'il y ait une autre phrase pour que ça remonte et que je puisse lire le truc. Owen, mets-nous fais une photo de ta notice là. T'as bien vu quelque part qu'il fallait faire des trous. Tu l'as lu sur quoi? Tu l'as bien vu sur la notice? Fais une photo, mets ça sur Discord, on va t'aider. On est là pour ça. J'ai vu que Tacom va sortir des Tiger 1 mid et late avec Zimmerit. Oh, ils nous cassent les pieds. Tacom. Non, mais je dis ça, Patrick, hein, c'est qu'il y a des milliards de tigres 1, de tigres 1 late, et de tigres 1 40, 41, 43, 45, et tigres 1 avec marche arrière, avec retour. Je veux dire, les nouveautés, il y a autre chose à faire que les tigres. Les tigres, c'est bon, on a fait le tour, quoi. C'est bon. Marque comme Tacom qui ressort des tigres, ils se foutent de nous, attends, ça va. J'adore. Bon, laissons-le un peu. On va regarder, on va aider notre ami Owen. Alors, Owen. Alors, je me rapproche. Hein. En plus, t'as mis ça à l'envers, bon. Hello.
Hall, Drill Hall. Ah oui. C'est les trous pour mettre les petites bombes en dessous après, tu sais, Owen. Donc fais des trous avec un petit forêt, le plus petit que tu as. L'important, c'est de marquer les trous. Et si plus tard, quand tu vas mettre les bombes, tu t'aperçois que ça rentre pas, tu as juste à agrandir un petit peu les trous. Et puis c'est bon. Là, il faut juste les marquer. Donc tu prends la plus petite mèche que tu as. Tu vois. Si tu as, je sais pas, 0,5, 0,6, la plus fine que tu as. Et après, il sera toujours temps de l'agrandir après quand tu vas poser la pièce. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'écris ce message. Ah ouais. Ouais, voilà. T'as comme, tu commences à nous... Faites des trucs qu'on n'a jamais vus, des véhicules originaux, des... Tu vois, qu'on fasse... Oh, merde, tiens, c'est la première fois qu'on voit ça en maquette. Mais un tigre. Ça va, les tigres, c'est bon. Bon, alors... Voilà. Ça, c'est bon. Donc tout ce qui est les deux pitots là et puis la pointe au bout là, c'est couleur métal, donc je vais peindre ça en métal et je vais coller à la toute fin. Là pour l'instant je touche pas, et puis les deux antennes là, sur le dos. Ok. Là mes bidons ils sont faits, mais les bidons c'est avec des aimants. Donc du coup, j'ai pas besoin de. Tu vois, c'est l'avantage d'avoir fait ça avec des aimants là. C'est que voilà, ils sont peints, ils sont vernis et tout. On a juste à les. Voilà, tu vois, ça devient délicat, on ne sait plus où les prendre. Voilà, tu vois. Bidon, mais hop, le bidon est mis. Impeccable. Donc ça, on pourra les mettre à la fin. Là, on va le retourner, mettre sur le jig, et puis on va coller les éléments qui sont en dessous, les puits de train, les trappes et tout le bazar. Il y a quand même du taf. On peut coller aussi les deux missiles, là, les Sparrow et les Sidewinder. Salut Christian! Avec un outil spécial, bah, t'as quand même des forêts. Et puis une petite perceuse à main. Est-ce que t'as ça, ce genre d'outil, Owen? Tu sais, ce genre de petit truc comme ça, un petit outil, tu mets ton petit forêt au bout et puis plac, plac, plac. Ah non, t'as pas. T'as même pas des forêts? Des forêts, tu en as ou pas? C'est la petite pointe qu'on met au bout pour faire des trous, tu sais, de tailles différentes, etc. T'as des forêts? Non plus, j'imagine. Ça, pour faire des trous, tu peux pas faire sans Owen. Oui, pour les murs, mais c'est trop gros. Enfin, ça m'étonnerait que tu as un forêt pour les murs de 0,5 mm. Bon, là, on va sortir le jig. Là, tu ne peux pas faire autrement, Owen. Il n'y a pas d'autre technique pour faire un trou. Voilà. Là on va le faire attention comme ça plutôt, yes, comme ça. Voilà. J'avoue que le Tomcat a de la gueule. Oui, il est bien pour l'instant, il est bien. Donc là on va coller d'abord les trappes, les petits trains, et après les armements ici, là. Et là il y a les quatre petites bombes, et les quatre petites bombes, je dois encore aussi, je vais le faire en même temps que les petits pitots, il y a des petites pointes d'accroche qui doivent être peintes en métal. Je vais tout faire d'un coup. Alright. Bah, je t'en prie, Owen. Tu sais, tu commandes ça où? T'as besoin d'un... Est-ce qu'on peut acheter un... Je vois pas parce qu'il y a le cœur. Amazon. Un jig sur Amazon, celui-là, non. Non, des jigs, c'est sur Passion. Tu vois? J'en ai jamais vu sur Amazon. Bon, alors, là, il faut prendre la notice. Parce que dans les trappes, les puits de train, tout ça, c'est quand même un peu le boxon. Non, j'imagine, j'exagère, mais voilà, c'est de coller à des endroits précis, tout ça. Donc il faut
faut y aller. Alors, on commence par quoi? On commence par les puits de train principaux. Voilà, c'est ce que je vous propose. Voilà, ils ont été peints, patinés, vernis, décals et tout le bazar. Hein. Ouais, même ceux, bah, ceux sur l'imprimante 3D, faut voir quoi, faut voir. Moi, Floppy m'en avait fait un là et j'arrivais pas à. Enfin, c'était pas stable, ça m'a pas plu quoi. Alors. Celui-là, c'est celui-là qui va là. Alors, on va d'abord faire l'autre pour que je suis tant que je suis de ce côté-là. Donc là c'est simple hein, tu vois il va s'encastrer ici et là il y a un petit trou pour mettre le bas là et puis là ici, ok, donc on vérifie que le trou là il soit bien libre, on vérifie qu'il n'y a pas un petit grain de sel, tu sais comme on a fait au sel là, voilà. On le tient en dessous quand même, sinon si on appuie au central il n'y a rien, ça va faire un. Il faut toujours tenir en dessous aussi. Hein. Voilà, tu vois là, regarde. Là, je suis. Voilà. Parfait. Il y a un point d'attache ici aussi. Je vais le montrer. Je vais rajouter là. Bougez pas. Hop, 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 hop. Voilà. Tu vois. Donc, on vérifie que ça rentre bien d'abord. C'est nickel. Là, on prend le sort. Voilà. On va placer les pointes de cyano. Nous ici, right. Alors je vais prendre l'autre là. Je vais mettre une pointe ici. Pose la pièce. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. On va le laisser sécher pendant qu'on travaille sur l'autre. C'est quoi le vrai terme d'un jig? Ben, c'est un jig, hein. Je ne connais pas d'autre terme. Un stand de maintien, stand de fatouage, chose comme ça. Bon là pareil, même chose, hein. On va vérifier que ça soit bien. Tous les accès soient propres, qu'il n'y a pas de petite saloperie qui s'y est mis. Là, justement, tu vois dans le trou, il y a un petit peu de sel. Hop. On refait le trou ici, là c'est bon. Et là c'est bon. De visu. Voilà, nickel. Hop. Allez, recolle. De la colle parce que j'en avais mis vraiment un tout petit peu. Voilà. Zou. Et on remet la pièce. C'est la petite pince. Enfoncé. Voilà.
Voilà. Toujours le petit clic chez Tamiya. Faut qu'il y ait le petit clic. Alors là, je vais mettre un peu de sopalin là-dessous parce que ça me plaît pas que ça soit comme ça. Là. Tu vois la vitrine, là, ma vitre neuve qui touche le plastique, là, ça me plaît pas. Donc, voilà, je mets un peu de sopalin. Je vais en profiter pour en mettre aussi un peu sous les ailes parce que ma peinture est nickel et tout. Alors je ne vais pas faire une griffe, même s'il y a des petits caoutchoucs là, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, tu vois, c'est mieux quand c'est comme ça. Voilà. Le Québécois. Salut Claude, tu vas bien? Oui, Québécois m'a demandé, mais le Jig 48, il fait également 72. Il y a un Jig qui fait 48-72 et il y a un Jig qui fait 48-32. Celui-là, c'est le 48-32. 48-72, j'en trouve plus, moi. Mon Stug est terminé. Parfait pour le concours de décembre. Ah, génial, Go Flash, génial. Bon, alors maintenant, les trappes. Ça, c'est fait. Les roues, les pneus, on les met à la fin, parce que c'est le plus fastoche. Là, il y a trois trappes par côté, donc il faut y aller. Alors, il y en a un, c'est left, et l'autre, c'est right. C'est quoi la différence? Enfin, dans les pièces, je veux dire. Alors, je prépare mes pièces. Là, pareil, hein, ça a été, tu vois, watering, machin, vernis, jus, tout le bazar. Donc celui-là, ça va où? Ça va là et c'est censé faire quoi? Ah oui, il faut. Oui, d'accord, je vais vérifier comme ça. C'est par rapport à la position. Yes. D'accord, donc ça, c'est ça, cette pièce-là. Et cette pièce-là, elle sera de l'autre côté. On va la mettre après. Ensuite, il y a la petite pièce là, ça, il faut la dégrapper. Je crois que c'est ça, on peut voir un peu. Yes. Là, c'est celle-là, avec les quatre... Non, attends. Oui. Yes. Donc, je la dégrappe vite fait. Ok, donc celle-ci va dans le fond. Et après il y a la troisième, la grande là, c'est une des deux là. Alors. Attention de ne pas confondre les trappes droites avec gauche, etc. Faut faire attention. Voilà. Ok. Donc là, on a une trappe ici, on a une trappe là. Faut que je me mette à l'aise là pour travailler. Donc les trois trappes là. Oui, mais il y a une pénurie. Alors, je ne sais pas si le fabricant a arrêté la production, ou il y a eu un souci, ou je sais pas quoi, mais impossible de trouver des jigs, quoi. Passion, ils en commandent, ils téléphonent toutes les semaines, et pas de réponse, les bons de commande ne sont pas honorés. Salut Matt. Un de mes clients demande qui fournit le pont de porte-avions, ainsi que la marque. C'est Amo. C'est un vieux kit.
C'est une reprise de Chunk Model, là, et après je sais qu'Italeri l'a fait aussi dans les années 80. Et là, ça a été repris par Amo il y a quelques années, là. C'est Migamo. Bon, go. Alors, go dans les trappes. Alors, la première, je vais coller. Et celle-là. Alors, je vais prendre ma pince avec les bouts en plastique, là, tu sais, pour éviter d'abîmer. C'est quand même plus soft, quoi. Voilà. Et tu vois, là, c'est du Tamiya, donc t'as zéro souci, quoi. T'as zéro souci. Après, il faut procéder par, tu vois, question d'accessibilité, quoi. Qu'est-ce qui va mieux, là? C'est mieux que je mette celle-là, là, avant. Que je me mette de ce côté-là. Donc je vérifie avant. Yes. On y va. Voilà, une colle à un bout, une pointe de colle à un bout. Voilà. Et là maintenant on met dans de ça là. Voilà, c'est rentré dans le petit trou tout seul. C'est parfait. Et maintenant la dernière. Hop. Attends, je vais leur tourner 2 secondes pour regarder un truc. Pourquoi ça rentre pas là, ici là. Bah, c'est pas grave, le truc est tombé, mais c'est pas grave du tout. Ok, là je suis bon. I am ok. Là, quelquefois il faut le secouer un peu dans tous les sens pour bien accéder au truc. Hein. Je vais renforcer ça par une pointe de colle encore là. Je vais me refaire aussi mon petit applicateur là parce que le truc est trop petit maintenant. Voilà, c'est bon. Go. Alors, je remets mon petit
ma petite protection. Ah, j'ai une de mes petites dérives qui s'est décollée, tiens, regarde. C'est pas grave, je vais la remettre après. C'est pas un problème. Hop. Voilà, bon, l'étrape là, c'est fait. Il n'y aura plus que le pneu à mettre là. Mais je vais le mettre après, on va d'abord mettre la munition, là. Enfin, ici, plutôt. Hein, là, on va mettre l'étrape de l'autre côté. Hein. Alors... à refaire petit truc pour la colle là, tout neuf. Là, hop, 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 hop. Voilà. On va prendre trop gros, on va prendre ça, on va le couper genre comme ça. Nombre d'heures, Matt, Matt Christophe, pardon. Oh, je dirais une petite centaine d'heures là. Si je compte le diorama et tout, ouais, une petite centaine d'heures. Voilà, comme ça je refais un outil tout neuf, tu vois. C'est plus mieux bien. Bon. Salut Philippe. Alors on va regarder là, parce que je vais le mettre en premier finalement celui-là. C'est pas bien accessible. C'est normal, il y a beaucoup de choses dans cet espace là. Que ça bloque un peu, hein. Voilà. Voilà. Ok, je place la colle direct sur cette pièce-là, parce que celle-ci, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème pour la mettre en face. Thank you.
Voilà. Joue. Ça c'est fait. Train, les deux trains principaux, il n'y a plus que les pneus à mettre. Maintenant on va faire le train avant. Yes. Alors, le train avant. On va coller les armements aussi, évidemment. Alors, armement. Hein, et trappe. Allez, là, le train avant. Il y a ici mon biquet. On va d'abord coller le train. Avec le sabot, là. Là aussi, il y avait des décales à mettre, des tas de trucs à coller là-dessus. Bon. Tout ça, c'est fait. Wettering, peinture et tout. Là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est enlever ça. Voilà, j'ai enlevé le petit clou de mascole que j'avais mis sur le phare. Hein. J'ai nettoyé autour avec un cure-dent. Voilà. Comme ça, le phare, il est transparent. Ok, alors. En gros... là comme ça tu vois, bon, je vois très bien, je mets ma colle, voilà. Go. Alors. Voilà. Et là, je viens de voir. On va essayer d'enlever ça. Merdouille. Avec quoi je pourrais enlever ça? Ah, je sais, du White Spirit. Ah, vous avez mis des petits pouces, les gars? Pas pouce. Alors, je prends juste un peu de White Spirit. Voilà, même si on le verra pas du tout, c'est en dessous du tome 4, mais enfin, bon. Si quelqu'un s'y penche, on sait jamais. Voilà, donc là il y a le train avant avec le sabot. Là maintenant on va mettre les trappes. Alors il y a deux petites trappes là à l'arrière. Et il y a deux. C'est tout? Ah non, après il y a les deux grandes trappes de là de chaque côté. Alright. Ok, alors les deux petites trappes. Elles sont là. C'est sympa parce que sur tous les pics à hérissons que j'avais avec toutes mes pièces là, et ben c'est presque vide quoi. Donc ça veut dire qu'on est presque au bout là. Voilà, alors je découpe les pièces. Hop. Alors, faut pas que je me cours dans les sens. Dans quel sens c'est ça? Le grand côté comme ça, donc ça là, donc ça c'est comme ça. Donc oula. Alors celui-là, ça va pas être facile à mettre. Hein. Ça va être quelque chose. Ça on verra après. Allons faire un petit tour sur Discord, reposons-nous un peu. Alors. Schnaps, petit montage de l'après-midi. Ah!
Sympa, un petit P38. Yeah, la collection Kobe, c'est des trucs sympas à monter ça. Puis pas besoin de colle, pas besoin de peinture, pas besoin de trucs, voilà, c'est trop bien. Bon, alors la petite trappe là. Bah, comme tu veux, le gonflage. Mais si t'as une petite idée originale, si c'est juste une vignette, bon bah ça va, c'est ton savoir-faire. Si t'as fait un petit truc original avec une petite scénette originale, bah non, mais pas les photos. Surtout, t'oublieras pas de mettre les noms, ton nom, hein, ton pseudo sur la photo avant de me l'envoyer, merci. Alors. Là, je vais me tordre dans tous les sens pour le truc parce que. Ça va, ça a accès assez facile. On va mettre la colle là-dessus. Voilà. Voilà. Parfait. On va faire l'autre côté tant qu'on y est. Hein. Ça mange pas de pain. Bon là pareil, la colle. Char seul, bah c'est bon. Si c'est juste sur ta dextérité de toi, tu peux montrer des photos, ça c'est pas grave. Je disais ça pour ceux qui ont vraiment une idée, enfin tu vois, ils ont fait une scénette originale avec un truc. Bah là ouais, si vous voulez pas vous la faire piquer, montrez pas. Bah après si c'est juste un avion seul, un char seul. Putain, mais c'est terrible, je suis vraiment un droitier moi, je suis pas gaucher mais pour 2 centimes quoi. Faudrait que je m'entraîne hein, en fait. Hein. Franchement, ah voilà. Voilà. Donc là déjà on a fait 2 trappes comme ça, c'est nickel. Ça, je regarde dans quel sens elles sont. Yes. Celle-là, ça va être relativement facile à poser. Je pense sur le Discord. Yes, ok. Laisse-moi coller ça et on va aller faire un tour. Salut Balou, comment tu vas? Tu sors de la sieste, toi. Voilà, je finis de coller le... On assemble le tome 4, quoi, tu vois. Tout est peint, tout est fait. Ma montre, elle me dit, vas-y, bouge-toi, marche un peu. Bah ben oui, mais... Je suis en train de faire des maquettes, là, ma cocotte. Tu vois, c'est ça Tamia, hein, c'est que c'est agréable, tu vois. À la fin, tout rentre au millimètre, il n'y a pas de... Là, c'est impeccable. Hein. C'est impeccable. Bon.
Allez, recolle. C'est la dernière trappe. Après, il nous restera les armements et tout ça. Du premier coup. Yes. Voilà, on va coller les armements après. Donc là c'est bon, train avant, train principaux, les trappes, c'est fait. Sur le Discord. Nom de Leclerc. Ah, t'étais pas les courses. Alors, Discord. Ah oui, tu nous as fait le grand jeu. Alors Matt, il s'est acheté un logiciel, il en peut plus, quoi. Depuis hier, il nous inonde. Bon, t'as encore du boulot, hein, t'as encore du pain sur la planche pour qu'on y croit, mais... Bon, alors, photo du Stud 3 OG, Bismarck, terrestre, février 1943, Kharkov, 2e brigade. Hein. Oh là 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 là, superbe. Magnifique. Puis avec les chenilles, comment on appelle ça, les pétales, je sais plus quoi là. Magnifique. Oh là là là, bien, super boulot, Algo Flash. Hein. Génial. Oui, puis full intérieur, hein, c'est ce qu'il faudra rappeler, tu vois. T'as bien fait de faire cette photo là, que je puisse. Dans tes photos finales que tu vas m'envoyer, le GoFlash, envoie-moi une comme ça là, hein, où on voit le full intérieur. Hein. Oh là 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 là. Jésus, Marie, Joseph. Voilà, voilà, vous arrêtez pas de me dire, ah, Tom 4, il y a beaucoup de pièces. Ben regardez là. Superbe, absolument superbe. Oui, supprime la photo, Matt, s'il te plaît. Et ça, prochainement, enfin à l'avenir, s'il te plaît, dans le salon au coin du feu, là. Pas sur ma page maquette, où il y a des directs et où je montre ça en public. D'accord, Matt ? Ouais, ouais, là, c'est un truc de... C'est un montage de magazine, hein, Algo Flash. Hein. Tu vois, tu fais plusieurs photos tout le long de ton montage, un petit article. Et ben ça, chez Steelmaster, c'est voilà, 300-400 balles. Hein. Magnifique, superbe, bravo. Philippe, petite avancée de Mont 109. Yes. C'est quoi le cockpit là, que t'as le tableau de bord, t'as pas ça toi-même, Philippe ?
Pops Maquette, sa dernière réalisation, le F-104C de chez Edward. Oh, là il a mis le rétro là, tu vois, il y a la photo de Papé Cam. Si, du beau boulot, hein. La peinture est nickel. Très belle peinture. Ah, oh, bah tu l'as pas mis une photo en entier, hein. Ah non, ça marche pas comme ça, Paps Maquette. Moi, je veux le voir en entier, là. Hein. Voir des bouts, tu vois. En entier. Moi, je veux voir ça en entier. Bon, du coup, je sais même plus où on en était là. Là je suis déconnecté. C'est quelle marque, Mini Art? Le Stug. Bon, ouais, les armements, allez, on y va. Alors, ça c'est fait. Moi, j'avais choisi la version... C'était C2 ou pas C2? Il me semble que c'était C2. Ouais, c'est C2. Alors, C2. Allons-y. Qu'est-ce qu'on colle d'abord? Les sidewinders ou les... Les sidewinders. Alors... Deux sidewinders qui vont venir ici sur les côtés, un là, et un de l'autre côté. Alors, je regarde un peu. Allez. Didier, tu as mis un mois pour faire ce tome 4 à peu près. J'ai commencé fin septembre, début octobre, si j'ai bonne mémoire. Mais en gros, ouais, un peu plus d'un mois, quoi. Et là, j'ai beaucoup bossé dessus. Hein. D'habitude, un appareil comme ça, je mets un peu plus longtemps. Sidewinder et là un Sparrow. Oh merde, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait. Oh lolo, qu'est-ce que c'est? Ah si, ça rentre, ça va pas rentrer ici. Alright, ok. En fait, il y a une palette entière qui rentre dans le truc. J'avais pas fait attention. Je me suis dit, ça va pas rentrer, mais c'est du tam-tam. Alors, ça rentre tout seul, quoi, évidemment. Hein. Alors, je tiens l'aile en dessous pour pas faire trop d'appui. Voilà. Mon Sparrow. Mon Sidewinder. Et mon petit bidon. Là, c'est des aimants, donc ça va être tout seul. Hein. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Bah oui. Ah, c'est celui-là. Pour trouver le bon. Voilà. Là, le pneu, on mettra après. On va finir les armements, mais de l'autre côté.
Didier, tu es passé entre deux camions, tu as plus rien sur la calebasse. Ah, tu veux dire là? Bah ouais. Tu sais pourquoi il y a ça? Ah, tu sais pas. Bon, allez, un sidewinder, un autre. Au cas où il y aurait plusieurs ennemis, quoi. On va pas s'envoler et décoller avec un seul sidewinder. Il faut mieux en avoir deux. On sait jamais. Yes. Au deuxième spao. Pour que ça tienne là. Voilà. Alors déjà, je suis bien parti là. Deux Sparrow, deux Sidewinder. Normalement, personne ne va venir me casser les noisettes. Bon, bidon pour pouvoir aller un peu plus loin. Voilà. Les bidons, c'est fait. Donc, j'ai plus que les petites bombes MK machin là, mais ça, il faut que j'ai des petits trucs à faire avant, à peindre les petites attaches. Donc je les mettrai une autre fois. Là maintenant on va mettre les pneus, les roues. Didier, le F14 a une belle envergure avec les ailes en position de décollage. Un bon 40 cm. Oui c'est ça à peu près. Tu vois, 42 à peu près. À peu près 42. Non, dis, bah là, qu'est-ce qu'on met là d'habitude? Ça quitte pas là. Bon, les pneus, alors. Alors pareil, hein, watering, peinture, hein, bon. Vernis final, protection, hein. Tout ça c'est bon. Donc là, chez Tam Tam, c'est assez fastoche. Parce qu'il y a. Enfin, vous pouvez pas les mettre dans le mauvais sens, quoi. Il y a un système, enfin, tu vois. C'est pas un carré, c'est un tétra machin, là, donc vous pouvez pas le coller d'une mauvaise façon. Donc, aucun risque. Ah bah celui-là, ouais, si tu veux, si tu trouves qu'il est trop grand, mais que tu veux faire le F14 Tamiya, il faut prendre les autres, là, la version Tamiya A, première version. Est-ce que tu peux choisir les ailes pliées ou dépliées là? Tu vois? Mais celui-là, il a que les ailes dépliées, donc du coup, ouais, effectivement. Voilà. Hop, pardon. T'énerve pas. T'es bientôt à la fin. Va pas tout bousiller alors que t'es arrivé sur la ligne finale. Ça serait trop dommage. Là c'est bon, les roues avant maintenant. Un détrompeur, ouais c'est ça. J'ai le F14 de chez Hobbypost dans mon stock. Ah ok, je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Voilà, j'ai un hérisson de vide. Yeah. Yes. En tout, quand j'avais la peinture, j'avais 4 hérissons remplis.
Enfin, quand je dis hérisson, je parle de ça, là. J'avais quatre trucs comme ça remplis. Et ben là, ça y est, j'en ai plus qu'un avec quatre bombes, et puis c'est tout. Tout le reste, toutes les pièces sont collées. Hein. Peu, enfin tu me diras c'est de la cyano, ça va vite, mais... Alors pour le retour, on colle la dérive là, qui s'est détachée, et puis c'est bon. C'est une belle boîte, t'en as pour ton argent, avec le Tamiya, bah oui, non, c'est vrai que c'est cher, hein, ça je peux pas, on peut pas le nier, hein, ça... Là, il est pratiquement à 100 balles, je crois. Mais au final, oui, c'est vrai que tu vois, l'assemblage final, tout se passe bien. Il y a zéro problème. Puis j'ai mis un mois, c'était vite pour le monter parce que tout est nickel. Si j'avais pris un qui était moins nickel, il aurait fallu poncer, ajuster, machin. Tu mets plus de temps, évidemment. Hein. Tu vois. Alors attends, j'ai plus que les bombes, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, j'ai plus que ça, hein. C'est tout. Tout est collé. Hein. Après, c'est des petits travaux de peinture, tu sais. Le petit phare vert ici, le petit phare bleu là, la petite pointe rouge là au fond, des petits trucs comme ça. Là, ici, j'ai une petite pièce à mettre là devant. Enfin, c'est une pièce transparente là. Là, je regarde si ça sèche, mais normalement, c'est bon. Hein. Ça va être parfait. On va pouvoir l'enlever du jig. Là, il n'y aura plus que 1, 2, 3, 4, 4 bombes au milieu. Alors, je vais encore le tenir un peu sur le jig parce que je voudrais... Je voudrais attacher la petite dérive là, qui s'est détachée. Assez. Je rajoute une petite goutte encore. Ah, après la caméra, je vais vous faire des photos après, que je mettrai sur le Discord, là, vous allez voir. Tout en sachant qu'il reste un peu de taf quand même, mais... Le principal est fait, quoi. Je sais pas, une petite heure de boulot là-dessus, pas plus quoi, même pas. Hein. Voilà, bon, on laisse un tout petit peu. Ça va faire du bien, on va pouvoir ranger le jig. Là, ça prend une place énorme ce truc là. Bon, là, faut faire gaffe quand on le prend, on sait plus trop dans quel. Voilà, comme ça là. Oula, comme ça. Voilà. Bon, ça, allez. Sortir ça, il y a quand même un petit fond sympathique. Ouais, quand même, je vais sortir l'autre mon Durama, mon porte-avion quand même. Avant de vous faire des petites photos. Alors attends. Ça, on va le garder quand même parce que je crois que le client, s'il prend celui-là, il choisit celui-là, tant pis pour elle. Elle fait ce qu'il veut. Bon, là aussi, celui-là, il est carrément, quasiment fini, pardon. Pas carrément. Il est quand même plus grand. Hein. Ouais. Attends, t'énerve pas. Un peu comme ça, là.
Je regarde par rapport au sabot, hein. Encore plus, hein, comme ça. Parce qu'il y a la pointe de l'avion là encore au bout. Hein. Donc je calcule, tu vois. Voilà. Là, je suis bon. Avec ça là, comme ça là. Ah, il manque juste un coup de dans la piste. Mais voilà en gros l'engin. Est-ce que ouais, c'est pas évident hein, de montrer les vrais, enfin, les bonnes couleurs et tout ça. Comme ça, ça a l'air de un peu plus mieux la vue. Voilà, je vais faire 2-3 photos. Et on va les mettre sur le Discord. Caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Photos, j'en ferai beaucoup plus quand il sera 100% terminé, évidemment. Voilà, là, il est fini à 99%, quoi. Dommage que le pont soit pas quoi, plus centré. Attends, je vais essayer de reculer. Je peux reculer encore ou pas? Que vous ayez une vue à peu près totale du truc, quoi. Ouais. Bon, là, il y a 3 cm en fait. Hein. Avec la caméra, il y a un effet genre 10 cm, mais en fait, ça fait voilà, mes deux premières phalanges. Ça. Tu vois. Mais comme la caméra elle est plongée un peu comme ça, vous avez l'impression qu'il y a 10 cm là, mais non. Voilà. Et sur le Discord, il y a les photos. Je vais vous montrer sur les photos sur le Discord. On voit un autre point de vue, quoi. Voilà, là c'est le truc, tu vois. La verrière bien propre et tout. Avec les deux casques, de visu on le voit, hein, les deux casques du pilote qui sont bien brillants. Tu vois, il y a le petit trou où il y a l'étoile américaine, là. Il y aura un petit tube pitot là. Sur le bord de l'aile ici, il y aura... Alors, c'est bleu ou vert, ça je sais plus, rouge ou un truc comme ça. L'autre côté aussi. Ouais, il manque 2-3 bricoles comme ça, c'est tout. Hein. Alors à mon avis, je vais vous dire ce que j'en pense. Le pont du porte-avions là. Ah, M104 en entier, ça je suis content. Ah yes, bah oui. Et... belle pièce aussi, hein, magnifique. Hein. Bravo, Pops Maquette. Ouais. À mon avis, le pont du porte-avions, là, c'est pas fait pour un Tomcat, en fait. Je pense que
D'ailleurs, sur la photo de la boîte du Box Art, c'est un F-18. Je pense qu'avec un F-18, les ailes, elles doivent pas sortir comme ça. Tu vois? Ou un intruder, pareil. Je crois que les ailes, elles doivent pas sortir comme ça. Un intruder. Ça doit être juste pile poil, tu vois? Pareil pour le F-18. Là, faut avouer que le Tomcat, quand il a les bras tendus comme ça, là, waouh! J'ai le Phantom B de chez Tamiya. Il a l'air très sympa à monter. La gravure est super belle. Oui, c'est un des derniers, donc c'est le top. Hein. Ouais. Tu vois, le pont, il aurait été un peu plus centré. Et puis surtout, là, ça empêche de mettre des figurines. Tu peux pas mettre une figurine là-dessus. Enfin, tu vois, celle qu'on avait, là, par exemple, avec le launcher, là, le petit lanceur. Bah, tu peux pas, parce que ça veut dire qu'il faudrait le poser ici. Et tu te doutes bien que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Le gars, il est au moins un mètre après l'aile, là, tu vois. Au moins, il devrait être ici où il y a mon doigt, là. Clic, clic, en bas, là. Tu vois? Voilà, là, le bonhomme. Et si on le met de l'autre côté, à la limite, ouais, on pourrait le mettre là sur le coin, quoi, mais ça serait pas logique. Ni même un véhicule, tu vois, on peut même pas mettre un véhicule, là. Les véhicules, on les met pas derrière, hein, où il y a les trucs de réacteur, tout ça. Donc, même si tu as les petits véhicules, comme fait notre ami Christophe, là, tu peux pas le poser avec un Tomcat. Avec un appareil plus petit, yes. Tu trouves où ces patchs en tissu, Didier? Sur Amazon, hein. Sur Amazon, tu tapes patch Tomcat ou patch ce que tu as besoin, hein, n'importe quoi. Et puis trois jours après, dans la boîte aux lettres, dans une enveloppe, roule 10 balles, je crois. Bah, Matt, t'écoutes pas ce que je dis là. Matt, réveille-toi, Matt! Au lieu de passer ton temps à faire des traficages de photos. Ça fait 5 minutes que je parle de figurines et la question, tu comptes mettre des figurines. J'ai le Tomcat d'AMK en stock, qu'en penses-tu Didier? Ben, il est compliqué et il coûte plus cher que celui-là, quoi. Il est compliqué et puis... Alors il paraît, mais je sais pas, je l'ai jamais fait, alors tu vois, c'est difficile de... J'aime pas vous dire des trucs que j'ai lus sur un forum ou autre, parce que c'est peut-être que le mec se gourre ou autre, tu vois... Ouais, j'expliquais Matt qu'on peut pas mettre de figurine. Tu vas la mettre où la figurine? Si tu veux respecter les trucs de la réalité, hein. À part les deux pilotes, bien évidemment, mais là autour, tu peux pas. Dans la réalité, il n'y a aucune. Quand l'avion est comme ça, qui s'apprête à partir, là, à décoller, t'as personne là, dans cet espace-là. T'as des gens là plus loin. T'as des gens derrière plus, beaucoup plus loin. Là, ici, par ce côté-là, beaucoup plus loin. Mais là, à cette distance-là, t'as zéro, t'as personne. Moins cher que le Tamiya, le Tomcat AMK. Ah, tu parles pas du dernier, là. Parce que là, j'en ai sorti un, genre, je sais plus quelle version, si c'est le D ou je sais pas quoi. C'est 150 balles, je crois, un truc comme ça. Hein. Tu parles de l'ancien, le premier là qui est sorti. Qui était à 80-85 balles. Oui, à ce cas-là, c'est celui-là, oui, il est un peu moins cher. Un petit pilote US. Bah si j'avais fait un avion sans pilote à l'intérieur, oui, j'aurais mis un petit pilote là, deux, mais il y a déjà deux pilotes là-dedans. Enfin, je trouverais ça bizarre de. L'ancien, oui c'est ça, j'avais fait la revue, l'ancien. L'ancien, il était à peu près dans ces eaux-là, 80 balles. 125 euros avec des pieds en résine. Qu'est-ce que tu appelles des pieds en résine? Emilien? Les pieds en résine, tu veux dire les jambes de train ?
des pièces en résine, hein, pardon, oui, excuse-moi. Ok, d'accord. Et 125, tu l'as pas payé cher, hein, parce que moi je l'ai vu sur. Je sais plus où j'ai vu ça d'ailleurs. Quand j'ai vu le prix, c'était pratiquement 140, 145, 150, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, je suis content. Et puis tu vois, j'ai bien fait de prendre un vernis satiné. Mon petit travail sur le réacteur là, mon petit travail de peinture là, je vois toutes les petites, tu vois. Top, 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 top. Je vais attendre 3-4 jours avant de le finir complètement. Mettre comme ça dans la vitrine. Voilà. Bah ouais, 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 tu vois, un petit mois et demi là. Mais bon, je suis content. J'aime bien quand les trucs se finissent comme ça. Voilà. Et puis, un message sur mon téléphone. Oh, oh. Ok. Bah super. Bon, bah le client est... Le client me dit, j'ai jamais vu un Tomcat aussi beau. Donc... C'est bien, content, c'est bien, ça vous plaise, ravi. Voilà, il y a encore un petit peu de boulot, mais le principal est là, comme on dit. Pour la technique du sel, question, combien de temps attendre entre la pose du sel? Bah, dès que c'est sec, Emilien. Dès que c'est sec. T'as mis de l'eau, tu mets de l'eau, après tu mets le sel. Dès qu'il n'y a plus d'eau, que c'est bien sec, tu passes un peu avec ton doigt, tu vas voir que le sel est bien attaché, accroché. Hop, c'est bon, peinture. Après, après tu laisses une fois ta peinture passée, tu la laisses sécher au toucher, donc la tamilla c'est 20 minutes à peu près. Bon, disons 30 minutes, tu vois, voilà. Et puis après tu peux commencer à enlever le sel tout doucement. C'est une très bonne technique le sel, hein. Le problème, enfin le problème, l'inconvénient, c'est que après enlever le sel, c'est du boulot, quoi. Et moi j'ai passé des heures à enlever, et tu vois là, en posant un des pieds, une des jambes de train en dessous, il y avait encore un petit grain de sel dans le trou. Voilà. C'est le seul truc qui est un peu galère, quoi. Mais pour le reste, la technique, quand on la combine avec un peu de black basing et puis un peu. Ça fait un rendu génial. Hein. Ça fait un rendu top. Hein. Tu vois, voilà. Le client, il voulait sale, mais pas trop. Mais sale, mais pas trop. Mais sale, mais pas trop. Donc là, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Au décollage, machin. Après, il verra. S'il veut du rama ou le carton, là, il choisira. Il fera comme... Il verra au visu. Je vais vous laisser avec du smoke. Oui, 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 oui. Il y a plein de techniques vraiment géniales avec le sel. Donc ça, go, go, go. Hein. Essaye, teste, tu verras bien. C'est ça, hein, de progresser en maquette, tu vois. C'est quand tu fais des tas de tests comme ça sur toi, une maquette. Tu te dis, bon, bah la prochaine, j'essaye cette technique-là. Et puis voilà, tu notes bien tes mélanges, tes machins, tout ce que tu as fait sur un petit calepin. Et puis tu, après, tu améliores la technique, t'améliores. Puis quand tu trouves la bonne, et ben voilà, tu la perfectionnes, tu as le coup de main, tu as le. Puis c'est bon. Hein. Sur le tome 4, c'est le troisième là. Donc vous en verrez plus après. Hein. Là j'ai fait le A. Le A simple version, le D, et là je fais le A position décollage. Bon là, vous en verrez plus après. Hein. C'est fini. Non, après, question comme ça. Enfin, tu vois, au décollage comme ça, ou sur un pont de porte-avions avec les petites... comme notre ami Christophe, là, c'est un intruder, hein, ou un proleur, enfin, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Ça me plaît. Demain, je vais passer le vernis mat là-dessus, hein. Repeindre en couleur noire là, enfin demain ou après-demain ou la semaine prochaine, j'ai le temps. Tu vois, mais là,
Ouais, non, il a une belle gueule. Hein. Puis après, je vais commander une plaque en métal, là, Tomcat, machin. Et puis voilà, ça va le faire. Hein. Je commence à ranger mon pied. Je vais gagner de la place là sur l'atelier, ça va être sympa. Après, j'ai plus qu'un port trop calme à terminer. Et puis voilà, l'année est finie après. Terminée, je peux avoir mes petits projets pour l'année prochaine, 2024. Ça va être trop bien. J'ai hâte. Emilien, c'est mon 6e Tomcat, j'essaye de nouvelles techniques à chaque fois. Bah, génial! Tu as passé un vernis sur l'avion? Oui, un vernis satiné. Ce que j'expliquais tout à l'heure, plutôt que le mat, là, j'ai passé le satiné MRP et je trouve que c'est parfait, c'est très bien. Tu verras, regarde sur les photos, là, ça brille un tout petit peu, c'est léger. Il est vraiment top ce vernis. Hein. Ouais, puis dans le cockpit, ça fait génial. Là. On voit les. Je vais vous faire une petite photo quand même, là, parce que c'est sympa. Alors, je sais pas si je veux là ouais, avec l'autre appareil, mais on voit les écrans allumés là. Pas allumés, il n'y a pas de LED, hein, j'ai pas mis de LED dedans, mais avec la technique de tu sais la peinture en dessous, machin spécial là. Ça fait sa patoche quoi. Les Parisiens, pour info, Euromaquette sera ouvert malgré le 11 novembre. Ouais, il ouvre souvent, ouais. Merci de passer l'info, Paps Maquette. Mais mon Fifi, ouais, quand c'est dans la semaine comme ça, quand c'est le vendredi, il fait le pont. Ou le mardi, mais là, quand c'est en milieu de ce, voilà. Demain, le 11 novembre. Hein. Voilà, un petit moment de calme et de silence dans la journée pour rendre hommage à nos poilus. Moi je le fais hein, tous les ans, hein, le 11 novembre, hein, et puis le 8 mai, ben, je me fais ma petite... ma petite minute de silence perso, quoi. Et puis je regarde des films sur le sujet, ou des documentaires sur le sujet, voilà. Ça me permet de penser tu vois, aux poilus, tout ça. Bon, alors je vais poser. Algoflash, t'es là, t'es en ligne ou pas? Tu veux qu'on regarde ce que tu m'as envoyé dans ton colis là? Que tu me dises un peu ce que c'est, tout ça, et à quoi ça sert, enfin, tu vois, à quoi tu l'utilises et tout? Ou pas? En plus, je peux ranger tous mes petits pics là. Voilà, c'est toujours agréable quand on a terminé une maquette. Voilà, cool. Voilà. À nouveau, tout ça de libre. Quoi. Perso, mon grand-père était un poilu, 17-18, bah ouais, comme nous, enfin, tous, les hommes, moi c'était mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Anselme Évrard, et qui a été, lui, véritablement traumatisé. Il est mort en 73, donc j'avais 8 ans. Et j'ai jamais entendu sa voix. Il était dans son petit fauteuil, un petit papy, tout bleu, des cheveux tout blancs, une grande moustache toute blanche, là, je m'en souviendrai pour le reste de mes jours. Et il parlait plus depuis qu'il était rentré, il avait été traumatisé. Il travaillait et tout, hein, il a travaillé à la mine pendant 40 ans. Mais il parlait plus. Alors, il est mort à 4, il était vieux, hein. Oh là là. 93, 94, et il est mort à son sommeil. Il
est parti sur un coup de vent, comme on dit. De retour à la maison, et je m'aperçois que c'est à temps à maquette ce week-end. Bah ouais. Bon Didier, je te laisse, on est en plein inventaire, c'est un enfer, vendez des maquettes. Ok, d'accord. Bon courage à toi. Salut Samy, comment tu vas? Est-ce que tu as la forme? Tu vois, nous on vient de finir une maquette, enfin on vient, je viens de finir une maquette. Le top 4 là. Là, le GoFlash il est parti, bah, peut-être qu'il bossait. Hein. Les directs, les gens vont, viennent, ils passent pas des heures bouche bée, la bouche ouverte devant le direct. Hein. Voilà, bon, on va finir la tisane ensemble. Ça, voilà, moi je suis content. Hein. Perso, je suis en inventaire devant mon magasin de maquettes, je me suis mal exprimé. Ok, bon inventaire alors. Prochain montage, un char par Floppy. Ah bah Floppy fait pas de vidéo mon kiki. Bah le prochain c'est pas l'avion, c'est le pont trop calme. C'est pas un blindé, mais enfin ça reste un. Ça reste. C'est pas de l'avion quoi en tout cas. Pas la plus grande forme. C'est temps, mais ça va mieux depuis que je suis sur le live. Ah, cool. Salut, bonne soirée, François-Michel. Bon, malheureusement, Samy, t'arrives à la fin. Hein. On est ensemble depuis 2h30, là, et c'est presque fini. Hein. On a fini d'assembler le top 4. Voilà, regarde. C'est beau, au final, comme ça. Alors après, je sais pas si avec la caméra, on pourrait... Ah, peut-être, tiens, comme les docteurs, on va faire une coloscopie. Ok, les gars. Voilà. C'est le même principe que la coloscopie. Hein. Alors, c'est une caméra qui a un peu grand angle, donc c'est un petit peu déformé. Hein, les... Si je la mets là comme ça, là, hop. Voilà, là, je l'ai posé sur l'écusson TAM 4. Voilà. Là, vous l'avez un petit peu sous tous les angles. Ok, les gars, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Alors, demain, il n'y aura pas de direct et dimanche non plus, parce que je suis occupé tout le week-end. Mais on se retrouvera la semaine prochaine, évidemment. Okay, et normalement, on travaillera sur un pont trop calme. Et puis, quand mon tome 4 il sera 100% terminé, j'aurai rajouté la petite pointe, là, les petits tubes pitot, tout ça. Je ferai des photos et puis je les posterai dans la zone communauté de la chaîne YouTube et puis un peu sur le Discord, un peu sur mon site, évidemment. Okay, voilà. Là, j'en ai plus pour très longtemps. Hein. Là, il y a une heure et demie de boulot, même pas. Ok, bah passez un excellent week-end les copains. Ok, prenez soin de vous surtout. Prenez pas froid, c'est ça le piège en ce moment. Hein. Voilà, moi j'ai plein de portes, ils sortent en week-end, enfin ils sortent dehors, il y a un peu de toi, ils se couvrent pas le cou, ils se couvrent pas les. Et puis deux jours après. Donc couvrez-vous bien, prenez soin de vous. Ok, à plus les copains, ciao ciao ciao, ciao ciao. We'll be right back.